السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. إن الساعة آتية أكاد أخفيها لتجزى كل نفس بما تسعى، فلا يصدنك عنها من لا يؤمن بها واتبع هواه فتردى. وما تلك بيمينك يا موسى؟ قال هي عصاي أتوكأ عليها وأهش بها على غنمي ولي فيها مآرب أخرى. قال ألقها يا موسى. فألقاها فإذا هي حية تسعى. قال خذها ولا تخف، سنعيدها سيرتها الأولى. واضمم يدك إلى جناحك تخرج بيضاء من غير سوء آية أخرى، لنريك من آياتنا الكبرى. اذهب إلى فرعون إنه طغى. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي، واجعل لي وزيرا من أهلي هارون أخي، أشدد به أزري وأشركه في أمري كي نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا، إنك كنت بنا بصيرا. قال قد أوتيت سؤلك يا موسى، ولقد مننا عليك مرة أخرى. بن فري مانسي، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Premièrement, nous remercions Allah subhanahu wa ta'ala jalla jalaluhu qui depuis de nous l'occasion nous peut servir la technologie pour nous mettre dans service travail digne. Alors c'est un grand faveur pour nous, mais sa même technologie là, si nous mal servir, il y a une source de niqma, il y a une source de punition pour nous dans akhirat et dans dunya aussi. Alors premièrement, nous remercions Allah subhanahu wa ta'ala qui lui donne nous tawfiq pour nous servir la technologie pour nous apprendre din Allah subhanahu wa ta'ala jalla jalaluhu. Mais seulement, il n'a pas pareil une leçon online qu'on peut faire avec une leçon dans masjid. Il n'est pas pareil. Parce qu'il y a un hadith qui peut causer une faveur assise dans masjid. Nous peut sa même faveur là quand nous peut assise dans la case. Nous puis apprendre din Allah. Oui, apprendre din Allah dans la case. Oui, dans la case, ça, il y a une récompense parce qu'il y a un djimoun qui peut prendre connaissance, c'est-à-dire qu'il peut remplir sur l'obligation qu'Allah fait de mettre dans lui. Ça veut dire, Allah met l'obligation dans nous. Rasul Sassam, il dit, Talabul ilmi farid ala kulli muslim wa muslima in a riwaya, qui cesse connaissance de l'obligation de tout djimoun. Mais c'est ma hadith qui dit, par exemple, wa manjtama qawmun fi baytin min buyutillah.
Mais il n'y a aucun groupe du monde qui persiste dans la case parmi la case Allah. Nous, pas persister dans la case Allah. Moi, je persiste contre moi dans la case et les autres, je persiste contre la case. Nous, pouvons gagner une faveur, prendre connaissance d'une, pas doute là-dedans, mais seulement, il y a une faveur énorme, mais seulement, nous, pas pour gagner une faveur assise dans ma zite. Alors, nous, les dire pas ça, faudrait pas que, mon frère et si mon soeur aussi, qui nous coupait complètement avec mon durus, mon majalis ilm, mon siècle de mon cercle de connaissances qui peut établir dans mon masajid. Nous besoin pas laisser venir une source parce qu'il nous peut couper avec sa bénéfice qui m'a poussé de sa hadith aujourd'hui qui trouve dans Sahih Muslim al Rasul sallallahu alayhi wa alihi wa sallam fin dire wa majtama'a qawmun fin dire wa majtama'a رسول صلى الله عليه وآله وسلم في نجية وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله بينما كان جروب جمون كفين زوان دا ان لكاز بامي من لكاز الله سبحانه وتعالى جل جلاله كذلك فيها يتلون كتاب الله زوت لي ليف الله سبحانه وتعالى جل جلاله ويتدارسونه ويتدارسونه في جية زوت اتوديي انتر زوت ليف الله سبحانه وتعالى جل جلاله اذا صح حديث ذا les montrez-nous claires fausses conceptions qui, beaucoup parmi nous, ont gagné, qui, Coran dit pour mon alim, alors nous ne faisons pas tous le Coran parce qu'il dit, non. Dans le Coran, il y a un ayat Coran qui dit Allah qui connaît, qui veut dire, man huruf muqatta'at, il y a un ayat qui, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, il dit qu'il connaît, et il fait tafsir pour nous. Il y a un ayat Coran qui bizarre, man ulama, par exemple, yusir qu'on l'a fi في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين سعية القرآن كانوا بيجيني وين بيتروفي من إنما أحكام من غير ما كونسينا par exemple l'héritage alors nous besoin عالم pour expliquer nous ça nous besoin عالم même nous qu'on arabe nous besoin عالم pour expliquer nous ça ensuite les vin ben آية القرآن qui pour tout le monde général alors nous pouvons commencer la lecture du Coran avec compréhension le man ayat qui allait mettre général comment nous peut lire l'histoire de Moussa alayhi salam c'est un ayat Coran général c'est-à-dire une fois qu'il y a un dimon il comprend arabe il peut comprendre qu'il peut dire ce man ayat là c'est lui qui va comprendre arabe quand il y a une traduction c'est un essai d'interprétation quand il y a une idée qui Allah peut causer avec nous alors Rasoul sallallahu alayhi wa sallam hadith dans Sahih Muslim il dit wa man jitama qawmun fi baytin min buyutillah alors aujourd'hui nous avons envie que mon frère et ma soeur comprennent ça bien qui nous besoin comprend durous dans masjid besoin pas arrêter connexion avec nos professeurs direct besoin pas arrêter barakat qui est là quand finit fait namaz isha en jamaat et nous pour faire namaz fajr en jamaat nous peut gagner tant que nous reste dans masjid malaika peut demander faire doua pour nous peut demander pardon pour nous nous besoin continuer cette faveur là sinon la spiritualité pour couper complètement nous servir technologie en djoun pa beka avin les sons, en djoun li bloqué, en djoun li restreint, en djoun pe la transport, en sur pa ka sorti, il peut prendre les sons online très bien. Mais seulement, il faudrait pas avoir une coupure, une source de coupure, ça va les sons online là, avec les sons qui n'ont pas de masajid, que mon frère et mon soeur invité. Alors, Rasul sallallahu alayhi wa sallam, il dit dans Sahih Muslim, wa majtama qawmun fi baytin min buyuti, la pina aucun groupe djoun, djoun den la case, pour mi ban la case, Allah subhanahu wa ta'ala jalla jalaluhu. Il ne faudrait pas oublier qu'il y a un masjid, c'est une source de fitna. Il y a un masjid, c'est une source de fitna qui divise la communauté, qui est fière pour diviser la société musulmane. Base de monde masjid, même la base de division. Alors, ça, Allah a besoin de masjid d'arar dans le Coran, dans la Surah Tawbah. Alors, nous, nous pouvons dire, dans la case d'Allah, subhanahu wa ta'ala, qui parle d'une source de fitna dans la communauté. Alors, Allah peut dire, et surtout dans la réalité qui nous peut vivre aujourd'hui, que nous, nous avons un target pour toute qualité de l'ennemi qui est dans le là parmi shaitan, shayatin, ban shaitan, parmi ins avec djinn. Alors, Rasul Sassam dit Yatlouna kitab Allah, je te lis le livre Allah, je te fais lecture le livre Allah. Wa yatadarasunahu bainahum, et je étudie sa Coran là, qu'ils ont pu lire là entre eux. Illa, excepté, nazalat alayhim al-sakina, wa ghashiyatuhum al-rahma, wa haffatuhum al-malaika, wa zakarahum Allah fi man inda. Nous gagnons quatre bénéfices quand nous assisons dans la case d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et avec l'argent, pas pour gagner. Avec l'argent, nous pas pour gagner, mon frère, mon soeur. Essayez de réfléchir. Essayez de venir plus beaucoup spirituel qui matériel. Nous disons, arrête le matérialisme. Indigne, c'est un matérialisme indigne. Nous gardons fait un amas, nous matérialisons l'équerre, nous finissons à tasser avec Dunia. Dunia, vous êtes dans l'armée, pas dans l'équerre.
Allah met dans les dispositions dunia pour nous gagner akhirat. Nous ne pas finir la vie pour dunia. Nous pas dire pas travail, nous pas dire pas manger, nous pas dire pas boire. Non, nous pas dire ça. Allô, Rasoul sallallahu alayhi wa sallam, écoute ça quatre bénéfices qui nous gagnent quand on assiste dans la case parmi dans la case d'Allah subhanahu wa ta'ala, nous lit le livre Allah et nous étudie le livre Allah subhanahu wa ta'ala. Nazalat alayhim as-sakina, tranquillité descend sur eux. Wa ghashiyatuhum ar-rahma. Allô, rahmat Allah subhanahu wa ta'ala engloutit eux, enveloppe eux. Wa haffatuhum al-malaika, bal malaika avec eux les ailes, les enveloppe eux. Wa dhakarahum Allah fi man 'inda. Et Allah subhanahu wa ta'ala li mentionne nous, ça m'a dit qu'il est présent dans sa majlis là, dans sa gathering là, qu'il lit là-bas subhanallah jalla jalalu. Allô, nous faisons avec Allah subhanahu wa ta'ala qui Allah lui donne nous la patience pour prendre connaissance, la patience pour prendre connaissance. À chaque fois qu'on commence une leçon, on trouve beaucoup de gens, ensuite il diminue qui fait la patience, et un gens dit bien plan sur la vie d'après Salat, ou ça Salat plan d'après sur la vie. Non, nous besoin plan de travail d'après Salat, et quand il y a connaissance pour prendre, nous besoin plan de sortir pour qu'il ne pas mort, ça man, djadassat, ça man, leçon qu'il peut faire, la man massatit, pour man faire, man sûr. Et nous gagnons, ça man bénéfice qu'il y a Allah fin mette, quand nous assise dans la case d'Allah subhanahu wa ta'ala, jalla jalaluhu, et nous prend connaissance d'in Allah subhanahu wa ta'ala. Quand nous peut dire connaissance, nous peut dire qu'Allah Allah wa qu'Allah Rasulullah. C'est très important, ça n'est là. Parce que partout peut faire les sons. Partout peut faire les sons. Un élève, un lamas musulman, quand il prend connaissance, il dit à son professeur, à lundi, à Rasoul Sallam, il dit. Comment on peut dire? Je peux citer l'exemple là, partout. Un dimon, il vient dans position de challenge communauté musulmane en entier. Ça veut dire qu'il peut challenge, ça veut dire ici, c'est ce qu'il peut dire, pour lui dire, dans l'année 1000, tel alim, il dit, al kot tel kabar, pour demander. Chaque fois, je cite ça. Comment on peut citer ça? Pas parce qu'il m'a veillé, qui m'a les sons, m'a les autres préférés, m'a pas intéressé du tout. M'a les autres prêcheurs, qui autres peut prêcher, m'a pas les temps pour veiller ça là. C'est seulement au moment où il vient un challenge. Par exemple, il vient dans la position de naqd, il y a un naqad. Naqad veut dire, ben, j'vous qui peut veiller, je peux guetter, qui m'a n'irait, après je te fais un naqd là, je te corrige ça, je te pinpoint ça. Mais ou même ou pas qu'on arabe. Ou pas connu, comment vient de position naqad? Ou peut montrer, ou peut faire les sons, et n'a pas un puis accepter sa niveau d'intelligence. Et de compréhension, et de dîner qui vous professeur, et de nous là, on accepte ça, allez. Mais si on pas venu de position de veille tout quelque chose, et mais soi-disant, pépine-pôle, mais où ne vous pas connaît. Là, sa mentalité là peut continuer même. Un dimon, il vient de position de nakad, il peut challenge, il peut tirer livre, il peut les livres là-haut, il peut dire, ah, il a un mauvais gâteau, c'est un qui est capable de venir challenge. Pour qu'il dit, pour dire dans l'année 1000. Mais l'année 1000 qui t'a à Sunna, ça, l'année 1000 qui t'a à Sunna, même si Al-Husi India, ou bien Ibn Hibban India, ou bien Imam Bukhari India, ou bien Imam Muslim India, ça veut dire qu'il t'a à Sunna, non. Faut dire qu'il m'a dit, qu'il Allah, wa qu'il Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, wa alaykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Faut dire qu'il y a India et que Rasul sallallahu alayhi wa sallam India. Ça trouve? Alors, quand on peut dire connaissance, Al-Siyas connaissance, c'est qu'il Allah, wa qu'il Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Et il m'a envie à prendre l'Iman. Il faut dire Rasul sallallahu alayhi wa sallam il dit que Allah subhanahu wa ta'ala jalla jalaluhu li descend le premier déchet, le troisième chez la nuit. Rasul sallallahu alayhi wa sallam il dit. Rasul sallallahu alayhi wa sallam wallahu fawqa arshi que Allah subhanahu wa ta'ala li lo se trône. C'est n'a qu'il dit ça. Allah Rasul sallallahu alayhi wa sallam il dit ça. Nous ne pouvons pas dire ça. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam il dit le nous iman le Allah subhanahu wa ta'ala inna quluba bani adama bayna isba'ini min asabi ar-rahman. Qu'il l'équipe de deux enfants Adam, les trouve parmi deux les doigts, demande les doigts de Allah subhanahu wa ta'ala. Fini. Une point, c'est tout. Ça va pas demander qui a été les doigts, est-ce qu'il paraît que maman les doigts, qui a été les doigts, est-ce qu'il n'a point rien, est-ce qu'il n'a point rien, est-ce qu'il n'a là. Tout ça là, ça va pas poser sa question. Tout ça va une question, elle vient après. Après, beaucoup après que Rasul sallallahu alayhi wa sallam finit qu'il dunya vient aller. Alors, quand nous pécose iman, le Allah subhanahu wa ta'ala, Rasul sallallahu alayhi wa sallam, Quran dit. Quand nous pécose ibadat, c'est qu'il y a de kitab avec sunnah. Qu'appelle ibadat? Ibadat, c'est un acte de prière qui nous fait que Allah satisfait. Comment nous connaissons Allah satisfait? Quand Paul connaît Allah satisfait? Quand Allah adresse avec Ummat, avec l'humanité entière? Qui côté qui Allah adresse avec l'humanité entière? Dans rêve ou ça à travers son Anbi alayhi mussalam qui trouve dans un livre sacré, le Coran pour nous? Alors, ibadat aussi, c'est que le Coran et le Sunna fin enseignent. Ça dit là. Quand nous vînons notre transaction, ben, mu'amalat, c'est le Coran avec nous n'a pas d'empêche nous, li halal. Elle nous pas dire,
Mais qui fait te boire de l'eau? Quand il écrit te boire de l'eau, nous pas poser ça question. Nous Indiens nous pas boire l'alcool, nous pas boire l'alcool. Dans adab avec dans muamalat, écoute ça bien. Ça veut dire nous pas venir dire qui te prive pour te manger pomme. Non, nous pas demander prive. Nous dire te veut dire nous pas manger pork, qui fait te veut dire nous pas manger pork. Alors, dans iman avec dans ibadat, nous pas faire rien, nous pas croire dans n'importe qui qualité excepté qui dans Coran avec sunna. Dans muamalat avec dans akhlaq, nous pas faire rien, nous pas quitte rien excepté que Coran avec sunna en nous. Tout la différence là, est-ce qu'il est clair? Quand nous pouvons iman, nous amène iman d'après Coran avec sunna. Quand nous faisons ibadat, il faudrait une preuve de Coran avec sunna. Quand nous disons mu'amalat, c'est pour ça qu'il y a beaucoup de monde qui veut te servir pain, qui veut te servir micro. Mais servir pain avec micro, pas trop dans ibadat ça. Pas ibadat, ça servir micro. Quand nous pouvons dire une action qui n'est pas finie dans l'époque du sallallahu alayhi wa sallam, et qui tient à son raison d'être, tient à son raison d'être pour faire cette action là, et que le Rasoul sallallahu alayhi wa sallam ne va pas faire cette action là, c'est là qu'il y a perdu le but. Mais servir micro, on a dit comme ça. Qui faut servir micro? On ne comprend pas. Mais servir micro, quand on rentre dans l'ibadat. Alors, je vais dire, comment vous amène l'iman? Qui ibadat vous a fait? Il faudrait une preuve depuis le Coran et dans le Sunnah. Par contre, nos caractères, nos manières, et nos mu'amalat, nos transactions, il faudrait une Coran et le Sunnah en paix. Sinon, il y a l'ibaha. Alors, un djimoun, il y a un rôle à l'alim, il servit la loi à l'ibaha dans l'ibadat. Alors, moi, tu as une explication, peut dire, Imam Hanifa n'a pas empêché de faire telle action. Imam Shafi'i n'a pas empêché de faire telle action. Alors, c'est pour ça qu'il nous peut faire ça, ibadat. Ça, c'est pure tricherie et connerie, appelle ça en français. Pour un djimoun, ni dire, ibadat, pas empêché, ça veut dire qu'il y a un droit faire. Non. Dans ibadat, nous pas dire, pas empêché, qu'il y a un droit faire. Dans ibadat, nous dire, pour faire ibadat, il y a une preuve depuis dans le Coran et dans le Sunna. Il est là pour l'ibadat, parce que qui fait ça? Parce que l'ibadat, c'est une action qui a de la compte. Hein. Et quand nous pouvons connaître, comment nous pouvons connaître qu'il y a de la compte, hein, c'est à travers les révélations. Et les révélations, pour nous, c'est Al-Kitab ou Sunna. Par contre, nous dire, gagne droit, par exemple, faire business. Je ne vais pas dire, quand tu prêves, gagne droit faire business. Dire ça. Non. Quand nous disons pas gagne droit riba, là nous disons, quitte au prêve pour te dire une chose haram. Parce que dans caractère, ça s'appelle akhlaq. Et dans mu'amalat, ça s'appelle les transactions entre les hommes et les hommes, là-dedans, quand sur asl, sur l'origine, c'est tout qui est chose halal, tout qui est chose gain droit, aussi longtemps qu'il y a une preuve dans le Coran et dans le Sunna qui empêche nous. Ça, c'est pour ibadat et caractère. Par contre, pour iman et ibadat, nous dire, nous pas gain droit faire une action, nous pas gain droit à un iman, excepté qu'il y a une preuve dans le Coran et dans le Sunna pour un iman. C'est ce qu'on appelle tawqifi, ibadat et tawqifi avec iman et tawqifi. Tawqifi veut dire qu'il est basé sur le kitab et le Sunna. Moi, j'explique avant de me rendre dans les sons, qui ça est très clair pour nous comprendre bien. Ah, c'est si man djoun pas les comprendre, pas qu'à faire, non, hein. Chacun y a dans son professeur, il écoute son professeur. Son professeur a besoin de montrer le kitab au sunnah. Son professeur a besoin de montrer, qu'al Allah, qu'al Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Et ça, c'est le principe de quatre imams. Quatre imams, quand je viens expliquer fiqh, je viens expliquer fiqh, basé le kitab au sunnah, d'après ce compréhension, il y a une raison qui fait une divergence, et ça, pas celui-là pour expliquer. Moi, je disais, au cours, pas au cours insan, ce cours qui peut faire dans nos islam, moi, pour expliquer, qui a une raison, qui a un ulama, une alliée, une cité, finit divergence entre position de man imam qui zut tout, zut manhaj, zut tariqa, c'est kitab wa sunna. Clair? Right. Astia, nous t'arrives dans la semaine passée. Quand nous t'expliquais que Pharaon, Allah subhanahu wa ta'ala jalla jalaluhu, kum salam. Allah subhanahu wa ta'ala jalla jalaluhu, li fin download Moussa alayhi salam, pour y alver Allah subhanahu wa ta'ala, pour y alver Pharaon, qui fait parce qu'il innahu tara, li fin transgresse tout man limite, et quand transgresse tout man limite, appelle ça tara, li fin en tawhout. Tawhout, moi t'expliquais, c'est. N'importe qui sanna ou qui système qui reprend place Allah subhanahu wa ta'ala en tant que Rabb, en tant que ma'boud, alors ça appelle ça tawhout. Dans Mukhtasar, d'une façon en créole, ça veut dire n'importe qui chose ou bien n'importe qui sanna qui reprend place Allah subhanahu wa ta'ala en tant qu'un ma'boud, en tant qu'une divinité, un ilah, et en même temps en tant que Rabbul Alamin jalla jalaluhu,
qu'il est tout seul qui lui fait la législation pour nous, et Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam qui lit, lui aussi Allah subhanahu wa ta'ala fin envoie lui, et lui aussi il enseigne nous Coran avec Sunna, do's and don'ts, qui bien fait, qui pas bien fait. Allah subhanahu wa ta'ala jalla jalaluhu, dans les sons passés, ce qui m'a envie référer, m'en faire rappel, numéro un, c'est An'itil qawm al-zalimin. Et zalimin ici veut dire kafirin. Allah fin envoie Moussa alayhi salam et son frère Moussa alayhi salam fait dua avec Allah subhanahu wa ta'ala jalla jalaluhu. Qui dua l'in fait avec lui? L'in fait dua pour qu'Allah envoie son frère avec lui comme un support. Là, il demande réflexion, moi tu dis, il y a un peu administrativement qui Moussa alayhi salam n'est pas fil, son ego, pas empêche lui qui lui rende l'aide son frère, pourtant il kalimou Allah azza wa jal. Et comment je te connais? Un mu'min qawi bi akhi. Un mu'min li faut quand il est ensemble avec son frère. Deux cerveaux, quatre ligiers, quatre lamés, quatre lipiers. Trois mu'min ensemble, six ligiers, trois cerveaux, six lamés, six lipiers. Surtout quand on comprend bien raison de l'existence et qui nous maqsad dans dunia. Aujourd'hui dans Jumma et dans chaque Jumma, m'a fait un effort qui nous fait, mon frère, mon soeur, comprend qui des affaires, des points que m'a fait un effort qui nous tout comprend bien. Ensuite, toutes les autres explications, ils tombent sous ça deux fondamentales. Numéro un, l'islam, ce n'est pas une religion, c'est un mode de vie complète qui a l'un agréé, l'un satisfait. Wa radhitu lakum al-islam dina, la sourate Ma'ida. Perfectionné, al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati. Et être considéré contre Allah, l'islam, inna dina inda Allah l'islam. Rejeter toute autre forme de vie sur terre, rejeter, accepter l'islam. وَمَنْ يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنْ الْخَاسِرِينَ Sourate 3, verset 85. Alors, ça c'est première base qui est l'islam, c'est pas une religion à l'islam, c'est un mode de vie complet. Deuxième réalité, c'est quoi? Qui nous n'avons raison de l'existence. Pour nous vivre un serviteur unique juste pour Allah. Soul servant. Unique servant of Allah subhanahu wa ta'ala jalla jalaluhu. C'est un qui appelle abdan mukhlisan en arabe. Un abd, c'est un esclave, un serviteur. Mukhlis veut dire juste pour Allah subhanahu wa ta'ala jalla jalaluhu. Une fois que cette réalité-là nous comprend très clair, tout l'enseignement qu'il y a dans le dîn amène vers cette direction-là. Quand on peut dire bon caractère, du moins il y a une bonne manière. Il n'y a pas qu'il y a une bonne manière, en même temps il fait zina. Moi, ça une bonne manière, il fait zina. Mais Zina font partie de bonne manière. Non, bon garçon, bien bon garçon. Qui appelle bon garçon? Bon, c'est ce qui est kitab, sunna, c'est bon. Bon caractère, c'est ce qui est approuvé dans kitab avec sunna. Je trouvais qu'il y avait. Alors, quand on vit cause bon manière, bon caractère, c'est en relation avec réalise raison l'existence pour une servitude pour Allah. Il n'est pas dissocié avec sa raison qu'Allah fait maintenir nous la terre. Quand nous pécose halal, haram, un business qui est haram, en relation avec qui Allah pas oulé, qui te rate ton raison, ton existence. Allah n'a pas oulé, qui te tombe dans une action qui détourne toi avec ton chemin, qui amène toi vers ton objectif. Tout l'éducation islamique, qui dans iman, qui dans ibadat, qui dans akhlaq, et qui dans mu'amalat, c'est un enseignement qui Allah mettait, fil enseigné par Rasul sallallahu alayhi wa sallam, pour que l'humanité vive dans le dunya. Sous l'obéissance à Allah et Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, et il réalise raison qu'Allah dit de la terre. Il n'est pas disconnecté, il n'y a rien qui est disconnecté avec raison de l'existence. Quand il y a un djihad, toujours avec relation avec raison de l'existence. Quand nous pécose les ennemis d'Allah subhanahu wa ta'ala, basé leur raison de l'existence et à l'islam sur perfection, qui Allah fait une perfection de sa mode de vie. Il n'est pas dissocié avec ça. Et là, nous demandons qu'il m'en fasse qui explique, nous comprend bien sa deux réalités à l'islam. C'est pas une religion, c'est un mode de vie complet. Et l'autre côté, qui nous n'aime l'objectif. Et tout l'enseignement qui est dans le Kitab wa Sunna montre nous comment pour arriver à l'objectif-là. Et qui m'en quelque chose qui empêche nous arriver à l'objectif-là. Alors Allah subhanahu wa ta'ala, Moussa alayhi salam, il demande l'aide avec Allah subhanahu wa ta'ala pour y aller faire ce travail qui Allah il fait taklif l'ori, il donne lui comme responsabilité. Il n'a pas gagné aucun ego. Alors, l'important qu'il y ait un frère qui peut travailler, une soeur qui peut travailler, nous comprenons que l'égoïsme, c'est un élément satanique qui lui empêche la communauté progresser et lui empêche le travail. Progresser et lui empêche un dimoun purifier ce nafs aussi longtemps qu'il y a l'égoïsme dans lui.
et il a encore ben les autres malades. Alors, Moussa alayhi salam ici, qui l'india li, l'india fa'arsil ila Haroun. L'india, Rabbi shrah li sadri, wa yassir li amri. Quand il y a un taklif, quand il y a un lode Allah, il s'y est l'aide avec Allah. Gain l'aude, Allah, si elle se l'aide avec Allah. C'est pour ça qu'Azan de nous dit la hawla wa la quwwata illa billah. Ça veut dire, nous peut dire qu'il ne peut aucun vouloir, aucun pouvoir, excepté volonté et pouvoir Allah subhanahu wa ta'ala, jalla jalaluhu. Et nous peut besoin sa l'aide Allah subhanahu wa ta'ala, jalla jalaluhu, pour qu'il nous capable quoi? Pour qu'il nous capable, réalise, mettre en pratique sa manne l'aude qu'Allah finit de nous là. Alors ici, Moussa alayhi salam, Allah finit de nous l'aude. Il fait un taklif, l'oli veut dire kallafahu, il donne une responsabilité. Pour lui faire sa responsabilité, il fait doua avec Allah subhanahu wa ta'ala jalla jalaluhu. Alors nous apprenons par ça qui nous demande doua avec Allahumma a'inna ala dhikrika wa shukrika wa husni ibadatik. Nous demande doua avec Allah pour nous aider avec lui, pour nous mettre en pratique sur l'enseignement. Right là? Wa akhi Haroun huwa afsah minni li pli causé sur la langue, pli salid, pli causé, pli en a pli mantiq. Et فارسله معي رد اين عونا يصدقني. Alors envoie-le avec moi pour lui supporter moi d'envoyer un message avec Pharaon afin qu'il m'en amène iman de ce qu'il veut dire. Right? Allah subhanahu wa ta'ala jalla jalaluhu li fin dia avec Moussa alayhi salam. Quand Moussa alayhi salam tu peux dire oh Allah mon père qui m'en a pour tout humain parce qu'il in an qadiyya in an cas qui reste open quand moi tu touille un jour pour amuser et m'en a tu peux rôde moi. Mais imaginez qu'il dit ça une traversée. Disant une traversée, nous vous trouvez dans un ayat qui vient de dire que Pharaon n'a pas fait un mukhalafa, n'a pas désobéir sa propre constitution, que Dieu qui a fini en 10 ans, pénakeis le tueur. Alors, Allah subhanahu wa ta'ala, Pharaon, Moussa alayhi salam, n'a pas connu ça la loi. Il y a encore un traka, qui quantité de traka qui Moussa alayhi salam a gagné concernant sa action qui ne fait pas bon. Ça, c'est Kalim Allah azza wa jal. Nous, ça commence à être péché qui nous fait là, comme si Moussine pose une ligne avancée comme ça. Puis il n'y a aucun tracas pour aller rendre compte contre Allah subhanahu wa ta'ala. Alors, au moment qui Moussa alayhi salam, tu veux un père qui m'a démenti, ou bien m'a tué, Allah subhanahu wa ta'ala, il dit à Moussa alayhi salam, qu'a kalla fadhaba, je te l'ai dit, toi et ton frère, bi ayatina avec man signe qui nous donne toi, inna ma'akou mustami'oun, et nous peut écouter, qui m'a répondu toi. Fa'tiya Pharaon, je te le dis Alvé Pharaon, fa'koula et dieli, inna qui nous dit, Rasul Rabbil Alamin, nous nous envoyons de Rabbul Alamin, le créateur de tout univers. Et ça, c'est un message qui nous vient de tout du monde dans Maurice, nos responsabilités, pour nous donner nos voisins non musulmans, le message qu'Allah finit donne Rasulullah sallallahu alayhi wa alayhi wa sallam, qui Rabbul Alamin, les créateurs de tout et les mérites ibadet et tout ça. Right? Nous t'y arrivons là. Ensuite, Moussa alayhi salam, il continue à faire du'a, Rabbi shirah li sadri. Alors, ouvrez-moi la poitrine, fais inshirah al-sadr, afin qu'il me comprenne avec mon écrire. Et ça, c'est un dua très important qui nous aussi nous demande Allah subhanahu wa ta'ala, jalla jalaluhu. Oh Allah, nous peut assiser, nous peut écouter, nous peut lire, nous peut apprendre. Mais seulement, oh Allah, Rabbi shirah li sadri, ouvrez-moi la poitrine, afin qu'il me gagne compréhension, message qui te voulait, qui te donne-moi responsabilité pour moi le traverser. Et je ne peux pas obéir à l'autre là aussi. Right? Et ferme la langue, vin. Ben nikina là-dedans, ouvrez ma nikina pour moi capable passe le message avec Pharaon. Yafqahu anni ma ukhatibuhum, afin qu'il comprend bien clair qui message nous peut venir. Waj'al li wazira min ahli, min konti de man dua, pareil comme tina dans le précédent ayat qui dans sourate Taha qui envoie Haroun avec moi comme un supporter, comme un celui qui peut aider moi. Ujdud bihi azri, afin qu'il me sente moi un backup derrière moi. Wa ashrikhu fi amri, alors pareil comme tu me donnes moi risala, alors lui aussi il est capable de venir ensemble avec moi comme pour qu'il lui aussi il prend sa responsabilité pour passer le message à Pharaon. Ensuite qui peut arriver, kay nusabbihaka kathira, moi je demande à mon frère, ma soeur, nous dit azodi, moi je dis ça pour moi, moi pas diminuer personne, man qui peut écouter, man qui peut écouter qui quand c'est tasbih une fait azodi. Ici, et ça bien. Dipial vers Pharaon, toi route,
Pharaon, oppresseur, Pharaon, les fin God, Banu Israël, sous esclavage, les fin God d'un niveau de connaissance faible, les fin faisait de grimper afin qu'il m'a obéi à lui et je prends lui comme rab. Ça c'est le phénomène pharaonique qui peut continuer jusqu'à Qiyama et nous apprendre que c'est raison que Allah subhanahu wa ta'ala jalla jalaluhu les fin répète l'histoire de Moussa alayhi salam et Pharaon parce qu'il par ressemblance d'un événement qui nous peut traverser dans nous l'histoire en tant qu'Ummat Muhammad sallallahu alayhi wa sallam et nous vous trouve qui ban les sons qui est dans sa l'histoire de Moussa alayhi salam et de Pharaon on a pour répéter afin que nous n'en l'avance nous comprend bien. Si arrivé, nous attachons avec le Coran, nous comprenons bien la réalité de ce phénomène pharaonique qui est mentionné dans le Coran. Dites bien. Quand nous sabbihaka kathira, alors, au moment, tu envoies Haroun avec moi, et pour lui aide-moi, pour nous passer le message, afin qu'il nous célébrer louange Allah subhanahu wa ta'ala jalla jalla kathira, beaucoup. Je te connais, frère, bien sûr, parmi les sifats de les munafiqins. Dans sourate An-Nisa, inna al-munafiqina yukhadi'un Allah wa huwa khadi'uhum wa idha qamu ila as-salati qamu kusala yura'un an-nasa wa la yadhkurun Allah illa qalila. Trois sifat des munafiqin, il mentionne dans cette ayat Coran qui est dans sourate An-Nisa là, qui était inna al-munafiqin, en vérité les munafiqin yukhadi'un Allah, je peux essayer d'embêter Allah subhanahu wa ta'ala jalla jalaluhu quand je peux faire semblant que j'étais un iman. وهو خادعهم en vérité Allah subhanahu wa ta'ala je ne finis qu'à être embêté parce que Allah subhanahu wa ta'ala pas capable d'être embêté pour un djoun وهو خادعهم ensuite Allah lui montre qualité qu'ils étaient dans ce monafique là واذا قاموا الى الصلاه قاموا كسالى que je te lève pour faire namaz je te lève pour faire namaz c'est qui pas monafique pas lever lui mais reste dormir dans les salats. Dans sa ayat Coran, il est très dangereux pour un musulman qui peut rester dormi et pas peut lever pour faire salat, peut rester assisé, peut rester travail, peut rester jouer dans les salat et les salat peut traverser. Dans sa ayat Coran, Allah peut dire concernant les munafiqin, je te lever si je peux jouer, si je peux travailler, si je peux dormir, c'est moi avec la paresse. Wa idha qamu ila salati qamu kusala. Yura'un an-nas, je te fais pour dire du monde. ولا يذكرون الله الا قليلا اذ لا في ذكر الله excepté peu ذكر الله mais c'est lui qui pas fait ذكر الله du tout qui peut arriver. Alors on peut poser une question là, quatre paroles qu'il a pris content. Subhanallah والحمد لله ولا اله الا الله والله اكبر. Rasoul Sam dit n'importe qui l'autre je te l'ai dit. Ça veut dire qu'il dit Allahu Akbar wa Subhanallah wa la ilaha illallah wa alhamdulillah. Ou ça wa alhamdulillah wa Subhanallah wa Allahu Akbar wa la ilaha illallah. N'importe qui l'autre je te l'ai dit. Rasoul Sam dit ça. Comment il faut nous faire ça? Quatre paroles qu'il a pris content. Et dans notre riwaya de Sahih Muslim, une parole qu'il a pris content Subhanallah azimi wa bihamdihi. Subhanallah azimi wa bihamdihi. Qui quand c'est fait une fête SBI aujourd'hui? Et qui quand c'est l'étant qui nous l'a potable? Et qui quand c'est l'étant nous l'a Coran? Comment nous pouvons sortir? Comment nous ne pouvons pas tomber dans des honneurs qu'on nous explique dans le khutbah aujourd'hui? Au moment où les ingrédients sont réunis qui résultaient dans des honneurs dans la communauté précédente. Ça veut dire Yahoud, Allah dit concernant les juifs, Bouribat alayhimu dhilla. Les juifs ils tombent dans des honneurs. Allah ne plonge dans des honneurs. Qui vient plonger dans des honneurs parce qu'ils je regroupe les ingrédients qui fait gagner des honneurs contre Allah subhanahu wa ta'ala. Quand Allah plonge dans des honneurs. Mais nous, si Ummat Muhammad sallallahu alayhi wa sallam nous réunit les ingrédients pour gagner des honneurs, nous pour gagner l'honneur avec la puissance et avec le pouvoir, Zami, nous pas pour gagner. Alors, pour gagner victoire Allah avec l'aide d'Allah, il y a un ingrédient et pour nous tomber dans des honneurs, Allah plonge nous dans des honneurs et il y a un ingrédient. Aujourd'hui, quand nous révise halat nous ummat général, pas spécifique, nous trouvons qu'il nous tombe dans nous peut subir entier le monde. Et qui fait? Qui fait nous peut subir? Allah se promet, c'est pas vrai? Non, Allah se promet, c'est vrai. Parce qu'il fait, parce qu'il nous peut meet together, nous peut join together, mais ingrédients qui amènent des honneurs, nous gagnent des honneurs. Et Rasoul Samin finit confirmé dans Sahih Bukhari qui nous poursuivent les pas de la communauté précédente. Pas par pas, coude par coude. Alors, mon frère, bien sûr, qui nous sabbihaka kathira, qui quand c'est Coran nous lit aujourd'hui, qui quand c'est tasbih nous fait, qui quand c'est daroud nous fait, quand nous faisons des rakat duha, nous faisons des rakat, nous cessons avec Allah.
Côte nous peut build nos relations. Alors, ben, si vous voulez suivre management, ben, déjà, vous besoin build relation with your workers pour qu'ils soient capables de bring commitment, avec engagement, avec comment travailler. Mais côte nous l'engagement, nous, avec nous, Rabb Subhanahu wa Ta'ala. Côte nous build relation entre nous, avec Allah Subhanahu wa Ta'ala, Jalla Jalalu. Côte tasbih nous assiser dans masjid. Dans masjid, quand il y a une pinaise en bas, nous. Quand il y a une pinaise. Dès que vous devant la porte, elle analyse football, analyse politique, analyse locale, analyse internationale, analyse élection générale, analyse élection anticipée, analyse élection villageoise. C'est moi pour assise dans masjid, dans place qui nous fait ibadat malaika, puis avoir dua à nous, quand nous peut continuer assise dans masjid, après faire la masfaraz, puis continuer dua à malaika, ça nous pas besoin. Vous voyez qui fait? Parce qu'il y a une gratis. Si tu veux payer, le lot, tu peux dire comment un match pour révolter. Ici, Moussa alayhi salam dit qu'il nous subbihaka kathira, oh Allah, envoie Haroun avec moi. Moi, pour un support avec lui, afin qu'il nous capable de deliver the responsibility qui a l'air de mettre nous, qu'on a besoin, sa taklif, sa responsabilité qui a l'air nous pour deliver le message qui a l'air de nous là. Oh Allah subhanahu wa ta'ala, aide-nous, qu'il nous subbihaka kathira, pour nous capable de faire beaucoup d'éloges pour toi. Wa nadhkuraka kathira, nous fait beaucoup de dhikrullah, nous fait beaucoup de tasbih. إنك كنت بنا بصيرا قالوا الله سبحانه وتعالى تبقيتنو حالات بس بيسو أنو بليسا مراقبة الله عز وجل كونين كيف يجيها من فرمان سوى مراقبة الله كي نسو سبيفيجون الله سبحانه وتعالى نسو ليد الله سبحانه وتعالى كون نزل القرآن الله بيجابك رسوله فإنك بأعيننا الله سبحانه وتعالى بيجابك رسول صلى الله عليه وسلم فإنك بأعيننا تسونو nos yeux, sous nos l'œil, Allah peut guider toi. Allô? Muraqabatullah Azza wa Jal. Est-ce qu'il nous file à Zodi qu'Allah peut guider nous? Vous posez une question? Est-ce qu'il nous file qu'Allah peut guider nous? Là, si elle a nous persiste, nous écoute des choses, Allah peut guider nous? Il peut guider qui nous peut faire? Il peut guider nous l'intérieur? Il peut guider nous l'intention? Il peut guider nous cerveau qu'on peut travailler? Il peut guider ban qui peut assister pour veiller comment il rate un Coran avec un hadith? Il peut guider ban qui vient avec une pure intention pour apprendre dire Allah subhanahu wa ta'ala? Il peut guider celui qui peut causer, qui peut traverser de ce cerveau? Il peut envie qu'il y ait beaucoup du monde, il peut envie qu'il y ait beaucoup de likes, il peut envie qu'il y ait beaucoup de comment, il peut envie qu'il ban du monde, j'ai dit qu'on causer. Tout ça là, Rabbul Allah, nous sommes muraqabatullah azza wa jal, la yakhfa ala Allah minhum shay. Non, il n'est pas caché avec Allah subhanahu wa ta'ala, jalla jalaluhu. Ici, Moussa alayhi salam, il peut dire avec Allah, il peut reconnaître sa réalité, qui appelle muraqabatullah azza wa jal, il dit, innaka kunta bina basira, yani innaka kunta dha basarin, bina la yakhfa alayka min af'alina shay. Alors Moussa alayhi salam, il peut dire avec Allah subhanahu wa ta'ala, jalla jalaluhu, qui nous souhaite muraqaba. Alors, ben fait, walaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. C'est tout le fait. Alors, ben ça fait qui est important, qui nous trouvait dans les soins aujourd'hui. Numéro 1, qui Moussa alayhi salam pas dans l'égoïsme dans lui, pour lui cesse l'aide Allah, pour lui demander dua avec Allah, pour lui gagner l'aide de son frère. Pourtant, il kalim Allah azza wa jal. Numéro 2, quand il pourrait, qui fait l'aide de son frère, afin qu'il nous capable de deliver the goods the best way, pour nous capable de faire le travail qui a l'aide de nous taklif. Très bien. Ensuite, qu'il nous dit, il nous demande droit avec Allah pour Allah. Ouvrez sur la pratique pour qu'il y ait compréhension. Si un djimoun est disconnecté avec Allah subhanahu wa ta'ala, jalla jalalu, comment il peut enseigner un djimoun? Comment il peut enseigner un djimoun? Si un djimoun se, comme un frère dit, il se plug, pas plug avec Allah subhanahu wa ta'ala pour qu'il y ait la lumière. Comment il peut illuminer la vie devant les autres djimoun? Il y a certaines personnes qui ont été causées même pour venir trouver la hâte, l'ennemité, la jalousie. Le rancune rempli dans assalamu alaikum, l'aim rempli rancune avec l'ennemité, avec la jalousie. Comment nous vous donne l'éclairage, Zimoun? Ici, qu'il dit, Rabbi Shrahli Sadri. Très important, il demande dua avec Allah pour Allah ouvrir sur la poitrine. Qui fait besoin d'ouvrir sur la poitrine pour lui comprendre le message qu'Allah peut donner afin qu'il délivre the goods? C'est une leçon pour nous. Qui nous demande Allah subhanahu wa ta'ala dua, qui nous gagne compréhension avant tout, ensuite nous capables de délivrer the goods. أستك أبو دريبة دقوت بزن ليد الله سبحانه وتعالى جل جلاله قال يجي ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري سأجي فسليت متاش وحلو الأقدة من لساني يفقه قولي
afin qu'il y ait Allah pas donné l'éloquence. Alors, ici, puis enseigne nous pour nous gagner l'éloquence, demande-nous avec Allah subhanahu wa ta'ala jalla jalaluhu pour lui ouvrir les nœuds qui viennent attacher dans nous la langue, afin qu'il nous capte ce message. Yafqahu qawli. Ici, c'est effectiveness d'awa. Qui, mon cause bien, mon demande avec Allah, mais il faudrait maintenant comprendre si tu n'as pas bien compris qu'il nous peut causer. Comment nous pouvons dire que nous commencer? C'est pour ça que, enfin, moi, dans mon leçon que je peux faire là, je peux faire des leçons en ce moment, un dans nos restants, pas pour une salle de la terre, ça c'est un autre qui nous fait préparer, contre les tous, un point akida. Et en même temps, il donne un vaccin contre une doutance et un virus de doutance de akida pour qu'il et ça, principalement, les types intéressants, mon frère et mon soeur qui fait des leçons, je apprends sa leçon pour être capable de délivrer ça. Nous pas qu'à donner des leçons, le man caractère, quand nous avons danger de nos conceptions, de nos akidas, sans diminuer l'importance, laissons le caractère. Vous trouvez? Alors, ici, yafqahu qawli. Comment on mesure ça qui maintenant il comprend mon message? Alors, nous, ce qui mon réfléchis là, ce qu'on appelle effectiveness, ça veut dire laissons-la sur effectiveness, qui consiste, c'est qu'il nous met un petit quiz dans le cours là, c'est qu'il peut faire plein de papas 4 sessions ou bien 5 sessions, et dans nos décembre, il va prendre 15, 20 sessions à peu près. Après ça, il fait un quiz pour mesurer est-ce qu'il va le faire, qu'il va comprendre le message, pareil comment tu fais dans la mandrane, le short reminder, nous venons de shirk, comment shirk in tous nos communautés. Dans 30 sessions, alors ensuite nous faisons un petit quiz. Là nous gagnons comprendre. Nous n'avons pas envie de tester l'intelligence personne, nous n'avons pas envie de guetter chez Manfred, comprendre le message. Yafqahu qawli. Ensuite, guette bien qui lui dit Waj'alli waziran, comme vous faites expliquer. Waziran, ça veut dire Aounan li, depuis de ma famille, Haroun akhi, Ushdud bihi azri, Fama gagne backup avec lui, Wa ashrik fi amri, pareil que maman gagne risala, ça veut dire Liusin, vous venez ensemble, maman, Liusin gagne sa risala, c'est pour ça qu'il a dit Fadhaba, tous les dix, allez. Fatiya, tous les dix, allez. Il est à Firaoun. Ça, vous trouvez qu'Allah a inaccepté dua de Moussa alayhi salam. Ensuite, qu'il dit Kainu sabbihaka kathira. Dhikrullahi azza wa jal. Dhikrullahi azza wa jal. Dhikrullah azza wa jal. Là, nous faisons rappel à moi-même et mon frère qui considère Dhikrullah nous fait aujourd'hui et qui considère potable nous trapper et qui considère Coran nous trapper. Right? Wa nadhkuraka kathira. Et innaka kunta bina basira, ici c'est reconnaître muraqabatullah azza wa jal, qu'Allah peut guider nous l'intention, Allah peut guider nous l'intérieur, Allah peut guider nous le cerveau pour le travail, Allah peut guider nous le nawaya, la ilaha illallah, comment nous pouvons faire face avec Allah subhanahu wa ta'ala, jalla jalaluhu, nous pouvons venir avec un thawb blanc, avec un bonnet blanc, disons Allah subhanahu wa ta'ala, avec un liquide rempli avec jalousie, l'ennemité, rancune, qu'Allah protège nous et nettoie nous liquide. Ensuite, Allah subhanahu wa ta'ala, c'est-à-dire, il répond Moussa al-Sam, qala qad utita su'laka ya Moussa. Allah subhanahu wa ta'ala il a accepté sa bonne requête qui Moussa alayhi salam il fait pour y aller faire sa grande mission qui appelle confrontation avec Pharaon, Pharaon Tawhid qui lit les films déclare lui-même comme Rab, ana rabbukum a'la, inshallah semaine prochaine nous vous trouvons comment Moussa alayhi salam inshallah les vous commence adresse ses paroles à Pharaon qui tactique les vous servir comment les vous cause avec lui qui l'aude à l'indéri qui la sagesse à l'aide montrer pour les causes avec Pharaon, inshallah, la semaine prochaine. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanallahi wa bihamdihi. Subhanakallahumma bihamdika. Ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk. Inshallah, pas oublier les sons d'Anoura Islam. Pas oublier mon explication d'affaires très important. L'importance présente de mon majalis ilm qui est dans masjid. Faudrait pas on live, mon leçon coupe en djimoun. Qui lui prend connaissance dans ma vie, moi je explique sur Favre, comment se les sons. Alors, Inch'Allah, nous courons dans nous, l'islam, et dans ce nuts, et dans tout, Inch'Allah, il finit pareil, mercredi, dans mercredi, Inch'Allah, et dans jeudi, c'est un cours à plein de papas, qu'on nous explique. Mercredi, c'est un nuts qui nous est préparé concernant un parcours insan de la terre, nous peut cause Akida plus beaucoup, et dans les sons, plein de papas, dans jeudi, ça c'est Durus Muhimma li Ammatul Umma, c'est le livre de Cheikh Bin Baz rahmatullah alayhi, quand il summarise quelque chose qui est un musulman bien connu. Quand il dit musulman bien connu, Michel bien connu, madame là bien connu, les enfants là bien connu. Tous les trois bien connu. Pas qu'à pas ben sinis, nous un papa puis elle mort ce gosse pas fait cela du tout. Mais qui famille nous peut créer, nous peut créer. Nous dans Ummat nous créer une famille pour donner Ummat difficulté.
Et nous, nous pouvons créer une famille qui peut donner une communauté. Les la sac du moins venir expliquer. Les la divorce, les la drogue, les la l'alcool, les la transaction haram. Mais qui fait nous pas former nos familles pour devenir une famille qui apporte un plus dans l'Ummat Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Alors, leçon cruciale, Inch'Allah, nous fallait dans plusieurs endroits, bout par bout, Inch'Allah, c'est une information importante et cruciale qui tout le monde bien connaît. Pas juste Michel, bien connaît, Michel, madame, maman, papa, vieux du monde, zen, petits enfants, je tout bien connaît, Inch'Allah, et c'est une leçon mortassar, bref, pas avec beaucoup de tafsir, mais beaucoup d'explications là-dedans. Alors, Inch'Allah, wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad, wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, wa salamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Et pas oublier, cher, et subscribe à notre channel aussi, YouTube. Tout le monde est fini à upload. Cours, nous restons en première session fini à upload. Aujourd'hui, Inch'Allah, nous pouvons upload leçon plein de papas, leçon cruciale, première session. Et aussi, Jumma aujourd'hui. Écoute Jumma aujourd'hui ici, Inch'Allah. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.